Mélanie, je suis une amie de Guillaume et Cyril qui sont brasseurs. Nous sommes ici à Saint-Ursanne. La brasserie Tonnebière vous accueille aujourd'hui. Je travaille justement ici à la brasserie. Donc, je suis là pour vous montrer les différentes matières premières, les différents processus avec lesquels on va faire de la bière. On commence déjà avec de l'eau. Donc, l'eau qu'on trouve, on prend ici l'eau du réseau, donc on ne la traite pas. On prend vraiment c'est l'eau qui vient du puits en amont ici dans la plaine. Sinon, matière première, le malt d'orge. Donc ça voilà, on en a plein de sacs. Malt d'orge aussi, malt de blé, ça dépend quel genre de bière on veut faire. La prochaine étape, ça se passe ici dedans. C'est un moulin pour concasser le grain en fait. Ensuite, on mélange l'eau avec les céréales. On récupère un liquide qu'on appelle le moût. On transfère dans la cuve ébullition pour porter ça à ébullition pendant environ 60 minutes. C'est à ce moment-là qu'on rajoute du houblon pour justement extraire les arômes. Ouais. Ensuite, tout ça passe dans un refroidisseur pour terminer dans un fermenteur. C'est à ce moment-là qu'on ajoute la levure et ça reste donc 2 semaines pour une première phase de fermentation. Ensuite, on remet du sucre pour réactiver les levures. Pour à l'embouteillage, comment dire que la fermentation reprenne et qu'on fasse une deuxième fermentation en bouteille pour que le gaz se forme dans les bouteilles. Et ensuite, il suffit soit d'ouvrir sa bouteille ou de percer le fût pour boire une bonne bière. Durabilité, il y a une des bières qui est produite qu'avec des produits locaux. C'est la bière qui s'appelle Laprone. La particularité de cette bière est qu'elle est faite avec des produits principalement issus de la région et du parc du Doubs. Ce dont nous sommes le plus fiers par rapport à la Tonnebière, il y a plusieurs choses. C'est déjà le goût des bières qui s'est peaufiné, abouti au fil du temps et je crois que tout le monde est très fier des bières qui sont produites ici, qu'elles sont bien à notre goût mais aussi au goût du public. Une IPA normale, une IPA black. Santé! Aujourd'hui, un fair spot.